Alors Alan, est-ce que tu peux me dire ce que t'attends de ce championnat de France? Ben, sûr que quand on prend un départ dans le championnat de France, hein, c'est pour la gagne. Hein. C'est des équipes qui sont tous compétitrices au début. Elles sont toutes, c'est souvent les meilleures qu'on met ici, donc tout le monde a une carte à jouer. C'est très ouvert comme championnat, surtout ici le circuit est pas hyper dur. Donc moi, je suis confiant en mes jambes, mais bon, maintenant on verra. Il faudra bien courir, quoi. C'est pas facile de savoir comment les scénarios sont jamais les mêmes. Donc on va essayer de faire au mieux et on va jouer le titre. Enfin, tout dépend en fait de comment ça part. Si ça commence à faire la course dès le début et que ça use bien les organismes, je pense un sprint peut-être, mais pas un grand groupe. Mais ouais, je sais pas trop, sprint massif, à voir. Mais est-ce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes quand même qui veulent faire la course, donc on va pas se baser là-dessus pour l'instant en tout cas. Mais il faut être vigilant, prendre les bons coups, il faut aussi garder un peu au cas où justement que ce soit un sprint massif et pas être et pouvoir le faire, quoi. Mais ouais, c'est compliqué. Chez les pros, ils sont beaucoup. Il y a des équipes qui peuvent contrôler, mais chez les amateurs, c'est pas pareil. Là, nous, on est que 4 par exemple, donc on va pas s'amuser à aller faire un sprint massif. Donc on va voir. Essayer de prendre. Nous, on espère une course de mouvement en tout cas. Et une course à cette heure-ci de la journée, le matin, comme ça, on gère ça comment? Ah, c'est sûr que c'est pas très habituel. Déjà, faut se lever plus tôt du coup, parce qu'il faut quand même manger et avoir le temps de digérer. Nous, on s'est levé à 5h30. Et ouais, après c'est pour tout le monde pareil, mais c'est sûr qu'on n'est pas habitué et on essaie de faire avec, hein, mais c'est pas une habitude qu'on a d'habitude.